ça. À l'élo, ils allaient pour Nako Sala, paix sa coup d'envoi. Il y a illumination, la décoration. Au tout ça, les pour la première fois dans la carte à ville Nabisso et Salamanante, Tobaye Tour Salayango. Tout ça, les en haut au Bandagar central, Kitamo magasin. Puis il est qui 24 novembre. Et lui, triomphal, qui est ça le contour, il y a là-bas l'avenue Lumumba, la commune, il y a Limété. Et tu peux dire que ça, là-bas, bourgmestre Nyonso, il y a 24 communes, il y a ville, province, il y a Kinshasa, pour être Bangopé et Sika Bazali, passe à la moindre décoration, il y a Noël, puis à Nouvel An. Donc, moi, il y a Kota, il y a Ponabiso. Pour l'Aksaba congolais, pour la magie ou y a Noël, et ça moi plaisir, malgré la situation où il y a pas le coronavirus, la pandémie, le moulo, mais avant 21h, Bakoyawa, Otala, Bakotambo, le boulevard Lumumba, Tala, Paris, boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, et là, c'est mon mingi bisopé, Toya, Naba, Oyo, Bandegonabsu, Banga, Bakin Romona, et Papa Paya, Toya, Makasi, Toya, Nango, Nakati, Kinshasa. Voilà, motif Oyo, Toya, Lelo, les amis pour nous, ça, la coup d'envoi. Il y a une illumination, il y a Noël. Ok, alors, dans l'occasion, il y a une fête en tant que numéro 1, il y a un Kino, ni le web, c'est le Kino, c'est le Kino, dans l'occasion, il y a une festivité. Et lorsqu'on a le web, c'est le Kino, d'ailleurs, l'occasion, ma casse, mon aîné, il y a vous souhaité, Bango, ma meilleure vœu. Il y a d'abord, il y a santé, il y a prospérité, et il y a bonheur. Naba Kinoise, Nyonso. Oyo, basé dans le Kinshasa, nous allions à peu près 16 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Donc, meilleurs vœux, bonne année 2021 et joyeux Noël. Merci Nabino Vance. Excellence, une petite question. Pour la montagne, quand on a une photo, c'est gratuit ou il faut foutre quelque chose? Bon, photo, ils sont gratuits. On a toujours battu pour foutre sa photo et comme mon temps m'a bé. Merci beaucoup. Parce que vous êtes civilisé, photo et vous allez faire gratuit, puis vous allez faire gratuite. Merci. Hein? Excellence. Gratuite. Excellence, monsieur. Bon, aujourd'hui, nous sommes venus faire lancer, donc faire le coup d'envoi des illuminations de Noël. C'est l'occasion pour nous de nous plonger dans la magie de Noël. Parce qu'à Kinshasa, c'est quand même une première fois. C'est une première de voir. Comment est-ce que ce boulevard qui a été longtemps et presque abandonné, aujourd'hui, elle est complètement illuminée, nuancée de mille couleurs. Et ça nous rappelle un peu les villes européennes comme Paris, comme Bruxelles, comme New York. Donc les Kinois sont contents, je les ai entendus, je les ai suivis. Ils ont dit, ah voilà, nous sommes aujourd'hui Kinshasa, c'est Paris. Aujourd'hui, le boulevard du 30 juin ressemble à Paris. Donc nous avons lancé les illuminations de Noël ici sur le boulevard du 30 juin, ici sur la place
de la gare, je pense que vous voyez comment est-ce que la place de la gare est embellie, nuancée de mille couleurs. Ces illuminations qui partent de la gare centrale de la ville de Kinshasa vont jusqu'à Kitamo Magasin. Et de l'autre côté, ça prend l'avenue de Libération et ça poursuit, ça continue sur l'avenue Triomphale, le boulevard Triomphale, et pour faire finalement la boucle du boulevard Lumumba. Donc c'est une première. Nous avons aussi demandé à tous les bourgmestres des 24 communes que compte notre ville-province de faire la même chose, de choisir les endroits stratégiques de rond-point notamment pour embellir ces espaces-là. Donc c'est une façon, comme je l'ai dit, c'est une façon pour nous d'amener la population kinoise à se plonger dans la magie de Noël. Ça fait du bien quelque part. Malgré, je pense que ce lancement des illuminations de Noël s'est fait dans un contexte assez difficile, assez particulier, lié à la pandémie, à coronavirus, mais malgré la tristesse, malgré la détresse, nous pouvons tout de même fêter, ne serait-ce qu'entre 12h, 15h, 16h jusqu'à 21h. Parce que nous vivons dans un contexte assez particulier, celui du couvre-feu, décrété par le gouvernement central et que tout le monde doit respecter. Parce que ça a été une bonne mesure. Pour moi, c'était vraiment la seule solution pour protéger les Kinoises et les Kinois. Parce que les gens ne savent pas. La première des raisons que les gens élisent un chef de l'État, c'est d'abord la sécurité, la protection des populations. Et pour protéger la population congolaise, les populations congolaises, la ville de Kinshasa, les Kinoises et les Kinois, il n'y a pas mieux que de leur demander de rester chez eux. Parce que si vous restez chez vous, la maladie ne viendra pas comme un moustique et de vous piquer. Cette maladie se contamine par des contacts, par des postillons qui sortent de la bouche. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même très contents, satisfaits de voir que la ville n'est pas confinée, mais nous vivons quand même à partir de 21h un couvre-feu qui est respecté par tout le monde. Ce couvre-feu est respecté par tout le monde. J'ai dit félicitations à la population quinoise et j'espère que d'ici une semaine, deux semaines, un mois, cette courbe qui était ascendante va commencer à descendre et le couvre-feu sera levé. En tous les cas, les illuminations vont rester jusqu'à la fin du mois de février. Voilà. Excellence, un message à la population kinoise qui passe quand même Noël dans un contexte difficile. Un message d'espoir. Bon, le seul message que je puisse faire à l'endroit des Kinoises et des Kinois, c'est de leur souhaiter mes meilleurs voeux de bonheur, de santé, de prospérité à toutes les Kinoises et à tous les Kinois, et surtout de leur dire joyeux Noël et bonne année 2021. Merci. Merci à vous, Excellence.